Toi aussi, tu dois en avoir marre d'avoir des trucs roses noirs partout? Et tu demandes comment on fait? Bah, t'inquiète pas, je vais t'aider, tiens. Pouf, intro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit tutoriel qui, je pense, va aider plus d'un. Comment enlever des textures, comment résoudre les problèmes des textures roses et noires qui font pas une bonne paire dans Gmod, hein, c'est-à-dire qu'ils nous font chier. Hein. Alors déjà, pour commencer, d'où viennent un peu ces textures? Tout simplement, ils viennent du CSS Add-on. Qu'est-ce que le CSS Add-on? En fait, c'est le Counter-Strike Source Add-ons. Vous connaissez Counter-Strike, je pense. C'est un jeu qui est disponible sur Steam, je sais plus combien. Donc je vais vous montrer une variante qui existe, qui permet de télécharger les add-ons autrement et de les avoir gratuitement. Pour cela, vous aurez juste à télécharger le lien qui sera dans la description. Je vais vous faire télécharger tout simplement un point rare, donc un fichier point rare. Il vous faudra juste WinRAR, mais je pense que tout le monde l'a. Ça sera mes add-ons, c'est-à-dire que c'est moi qui les a pris directement depuis mes add-ons, c'est-à-dire que je les ai depuis quasiment un an ou deux et j'ai jamais eu de problème avec. Donc pourquoi vous en auriez tout simplement? Allez, tu vas te calmer, hein. Comme ça, vous aurez les fichiers d'after. Bon, y a pas de souci. Après, si vous avez encore des problèmes sur des serveurs que vous voyez, par exemple, vous voyez une voiture en erreur, et ben en fait, c'est juste parce qu'il vous faudra tout simplement télécharger la collection du serveur. En fait, c'est tout simple. Vous allez tout simplement demander dans le chat. Vous faites un 3/ pour contacter les admins. Vous faites est-ce qu'il y a moyen d'avoir le lien de la collection, s'il vous plaît. Ils vont vous le donner. Vous allez arriver sur une page Steam et vous allez tout simplement télécharger toute la collection. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et normalement, après, tout sera réglé. Là, je vais tout simplement vous apprendre à mettre les fichiers que je vous donne dans la sélection Garry's Mod. C'est parti. Dans la description, du coup, il y aura un lien Mediafire qui sera pour télécharger mon dossier à moi qui va s'appeler CSS Add-on Pair Afters Gamer. Oui, je m'autocrédite, alors j'estime avoir le droit. En fait, il va falloir que vous alliez trouver les fichiers sources de Gmod. Pour cela, vous allez vous rendre sur Steam dans votre bibliothèque, vous allez sur Garry's Mod, faites un petit clic droit propriété. Ensuite, vous allez dans fichiers locaux et vous allez dans par quoi les fichiers locaux. Et là, ça va vous ouvrir directement le dossier. Là, normalement, vous allez atterrir directement dans votre dossier source de Garry's Mod. Là, vous allez tout simplement cliquer ensuite sur Garry's Mod, encore une fois. Et là, vous allez avoir tout ça. Vous allez dans Add-ons. Du coup, ensuite, ça vous servez du fichier que je vous ai donné. Qui est où? Il est où mon dossier? J'ai perdu mon dossier. Ah, il est là. Vous allez ouvrir le dossier que je vous ai fait télécharger. Hein. Donc, dans le dossier, vous allez avoir le CSS Add-on par Afters Gamer. Ah, vous l'ouvrez. Là, vous allez avoir tout ça. 4 dossiers. Assez simple, vous inquiétez pas. Là, vous allez simplement prendre les 4 dossiers que je vous ai donnés. Et vous allez les glisser dans votre fichier CSS Add-on. Et là, normalement, vous avez résolu vos problèmes. Il n'y aura plus de texture rose, plus de texture noire, ni rien. Alors évidemment, ça marche dans tous les modes, hein, c'est-à-dire qu'il y aura Dark RP, School RP, Murder et tout. Donc voilà, le problème est résolu. N'oubliez pas que si vous avez encore des erreurs, c'est parce que vous n'avez pas la collection du serveur, et là, il va falloir vous le procurer. À chaque fois que vous allez sur un nouveau serveur, de toute façon, vous aurez toujours une collection à télécharger, en fait. C'était un petit tutoriel bref, mais bon, parce qu'en fait, cette semaine, j'avais plus de voix, du coup, j'ai pas pu tourner grand-chose. Là, je viens juste de la récupérer, il est jeudi soir, pardon, et je dois sortir une vidéo vendredi. Donc je dois me dépêcher, du coup. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, du coup, amusez-vous bien avec des textures pas buggées. Hein. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, c'est After, vos réunions. Ciao! Un tutoriel bref et rapide, comme je les aime.